Psaume de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Il est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Écoute ma voix, ô Dieu, je t'invoque. Exauce-moi. Mon cœur me dit de ta part, cherchez ma face, et je cherche ta face, ô Éternel. Espère en l'Éternel sur cette terre des vivants. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Soyez les bienvenus ce matin dans ce temple où nous sommes réunis une fois de plus pour partager la parole, le pain, le vin et faire monter vers Dieu nos chants et nos prières. Et pour entrer dans ce culte, eh bien, nous commencerons par le chant. Et je vous invite à chanter au numéro 373, les strophes 1, 2 et 4. Jésus a résumé la loi de Dieu dans l'Évangile de cette manière. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le grand et le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Et en un autre endroit, il formule cette loi d'une toute autre manière qu'on appelle la règle d'or, c'est-à-dire que c'est une règle qui se retrouve dans beaucoup de traditions bien au-delà de la Bible et qui dit ceci, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ce que j'ai mis en titre de notre méditation de ce jour. Et je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, trop souvent, nous cherchons un secours et une assurance ailleurs qu'en toi. Nous les cherchons auprès des hommes et des femmes que nous admirons, mais qui cependant sont incapables de nous sauver et de nous donner une certitude intérieure pour notre vie, comme pour notre mort. En cette journée de dimanche,
apprends-nous à ne chercher notre secours qu'en toi. Puisque tu ne tardes jamais, tu n'oublies jamais, tu ne manques jamais de force et tu ne méprises pas le plus petit d'entre nous qui se tourne vers toi. Puisque tu nous as donné en Jésus-Christ un sauveur plus puissant et bien plus capable que tous les sauveteurs humains, donne-nous le désir de ne chercher qu'en lui notre assurance. Nous savons qu'il ne nous fera jamais défaut. C'est en son nom que nous te le demandons, dans la communion de tous nos frères et sœurs, dans la foi. Amen. Et avec saint Paul, nous partageons cette assurance. J'ai l'assurance, dit Paul, que ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Du livre du prophète Ésaïe, chapitre 54, versets 8 à 10. Dans un débordement d'irritation, j'avais caché mon visage, un instant, loin de toi. Mais avec une amitié sans fin, je te manifeste ma tendresse. Dit celui qui te rachète, le Seigneur. C'est pour moi comme les eaux de Noé. À leur sujet, j'ai juré qu'elle ne déferlerait plus ces eaux de Noé jusque sur la terre. De même, j'ai juré de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes feraient un écart et que les collines seraient branlantes, mon amitié loin de toi jamais ne s'écartera et mon alliance de paix jamais ne sera branlante. Dit celui qui te manifeste sa tendresse, le Seigneur. De l'Évangile selon Matthieu, chapitre 18, versets de 21 à 35. Alors Pierre s'approcha et lui dit, « Seigneur, quand mon frère commettra une faute à mon égard, combien de fois lui pardonnerai-je ? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi en va-t-il du royaume des cieux, comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Pour commencer, on lui en amena un qui
qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, le maître donna l'ordre de le vendre, ainsi que sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, en remboursement de sa dette. Se jetant alors à ses pieds, le serviteur, prosterné, lui disait « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Pris de pitié, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. En sortant, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il le prit à la gorge et le serrait à l'étrangler en lui disant « Rembourse ce que tu dois. » Son compagnon se jeta donc à ses pieds et le suppliait en disant « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa. Bien plus, il s'en alla le faire jeter en prison en attendant qu'il eût remboursé ce qu'il devait. Voyant ce qui venait de se passer, ses compagnons furent profondément attristés et ils allèrent informer leur maître de tout ce qui était arrivé. Alors, le faisant venir, son maître lui dit « Mauvais serviteur, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Et dans sa colère, son maître le livra au tortionnaire, en attendant qu'il eût remboursé tout ce qu'il lui devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. De l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, les versets 1 et 2. Imitez Dieu, puisque vous êtes des enfants qu'il aime. Vivez dans l'amour, comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous, en offrande et victime, comme un parfum d'agréable odeur. Notre Dieu, notre Père, nous te prions pour que tu nous fasses pénétrer en nous le message de ces passages, certes anciens et pourtant toujours actuels, puisqu'ils concernent nos vies quotidiennes. Nous te prions pour que dans ce quotidien, tu nous fasses discerner ce qui le dépasse infiniment et qui t'appartient. Nous avons besoin de ta lumière. Envoie-nous ton esprit. Par Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à chanter au numéro 332. Nous chantons les trois strophes de ce cantique bien connu. 332. Oh,
Sommes-nous quittes avec Dieu? Ou sommes-nous toujours en comptabilité avec lui? La Bible nous apprend que l'être humain est une créature de manque, c'est-à-dire une créature qui manque Dieu et qui manque à ce que Dieu lui demande. Manquer Dieu ou manquer de Dieu, nous en faisons l'expérience tous les jours dans notre vie de foi. Nous connaissons les doutes, les découragements, les prières qui ne sont pas exaucées. Tout cela fait partie du connu. À des degrés divers, la fameuse exclamation « Je crois, viens au secours de mon manque de foi », cette exclamation, chacun pourrait la faire sienne. Quant à manquer à ce que Dieu nous demande, eh bien, nous en faisons l'expérience dans notre vie morale. Point n'est besoin de faire un examen de conscience très poussé pour mesurer que nos actes sont toujours approximatifs. Il y a toujours un certain déficit. Et je me souviens de cet aumônier de prison qui m'a fait un jour la remarque suivante. J'ai surtout appris que les gens qui sont en prison sont mes semblables. Et voulait dire que la frontière qui sépare le juste de l'injuste est parfois extrêmement ténue. Donc tout homme, toute femme, quel qu'il soit et quelle que soit l'opinion bonne ou mauvaise qu'il a de lui-même, a besoin de se réconcilier avec Dieu, c'est-à-dire de pallier ce manque qui nous sépare de Dieu. Mais me direz-vous, comment fait-on pour solder un compte lorsqu'on est dans le rouge? Jésus adresse une parabole à ceux qui se posent cette question. Vous l'avez entendu. Pour commencer, il met en scène un haut fonctionnaire oriental de son temps, une sorte de satrape qui dirige une province et qui a accumulé une dette colossale, 10 000 talents. Cela représente une somme énorme, plusieurs millions de nos francs d'aujourd'hui. Peut-être l'équivalent du revenu annuel de l'impôt du district qu'il administre. Où est passé cet argent? On ne le sait pas. Peut-être l'a-t-il détourné, dilapidé, perdu au jeu. Jésus ne nous le dit pas. Mais en présence de son roi, il est bien obligé de reconnaître qu'il n'a pas de quoi rendre. Il est insolvable. Alors, conformément à la loi de ce temps-là, le roi veut le faire vendre, lui, sa famille, ses biens. Oh, ça n'aurait pas suffi à combler une somme aussi importante. Le prix des esclaves, à l'époque, n'était pas si élevé que cela. Mais c'est une sorte de principe. Le roi veut prendre à son mauvais fonctionnaire, il veut lui prendre la dernière chose que celui-ci possède, sa liberté. Moins pour le dédommager que pour sanctionner la faute. Le fonctionnaire se jette à ses genoux, élève des supplications, « Sois généreux avec moi, je vais trouver un moyen de te rendre cet argent. » Et voilà que le roi se laisse toucher. Il est ému de compassion. Il répond à la prière du fonctionnaire. Et non seulement il le laisse libre,
mais il lui remet sa dette. Il renonce à être payé. Il solde le compte. Voilà dépeinte par Jésus la situation de l'être humain devant Dieu. Cette situation est comparable à celle d'un débiteur insolvable à qui la dette est remise. Vous et moi, devant Dieu, nous sommes dans le rouge et pourtant, ce que nous devons est remis. Nous ne devons rien et nous sommes libres. Cela signifie d'abord que quoi que nous fassions ou que nous entreprenions, nous restons tributaires de notre manque de Dieu et de nos manquements envers lui. On ne va pas se faire d'illusions. Nous ne pouvons pas sortir de ce manque puisque nous ne pouvons pas le combler. Il fait partie intégrante de notre condition et ce qui nous est d'abord demandé, c'est de le reconnaître. C'est lui qui me définit en tant qu'être humain. Souvenez-vous de la confession de foi qu'on trouve au début du Décalogue. « C'est moi le Seigneur ton Dieu », est-il proclamé. C'est-à-dire que toi, tu n'es pas moi, tu n'es pas à ma place. C'est moi seul qui ai plénitude et toi, tu es en manque. C'est moi seul l'absolu alors que toi, tu es dans le relatif et la seule chose que tu puisses espérer, c'est de tendre tes mains vers moi, sans jamais m'atteindre vraiment. La parabole concentre donc tout ce que notre vie a d'inachevé. Et elle invite à mieux nous connaître nous-mêmes, d'une façon plus loyale. Seulement, ce n'est pas tout. Il faut y ajouter que la dette est remise. Ça veut dire que Dieu, malgré son éloignement, se laisse trouver par nous. Il veille à ce que nous sommes malgré nos maigres capacités. Et c'est lui qui prend l'initiative de pallier le manque malgré ce que nous avons de bancal. L'initiative vient toujours de lui. C'est donc une sorte de pardon général que Jésus est en train d'annoncer pour l'ensemble de la condition humaine. Et c'est cette annonce qui constitue l'évangile, le cœur de l'évangile, au sens strict. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de la cessation des comptes avec Dieu. Être croyant, ça revient déjà à en être conscient. Nous sommes conscients que nous bénéficions de ce pardon global. Et que donc, un oui définitif a été prononcé sur ma vie, malgré tout ce que je peux trouver de remarque à faire sur ma propre vie. Ça n'empêche pas que cette vie est en quelque sorte poussée en avant par une approbation qui est l'approbation de Dieu lui-même. En fait, pour annoncer cela, Jésus s'appuie sur un enseignement qui lui a été transmis par sa tradition. Cet enseignement disait que Dieu dispose de deux mesures pour gouverner le monde. La mesure de justice et la mesure de miséricorde. La mesure de miséricorde affirme que Dieu est plein de compassion et qu'il pardonne à qui se repent. La mesure de justice, au contraire, dit que Dieu rétribue chacun selon ses résultats. Alors, en exerçant sa miséricorde, eh bien, Dieu renonce à appliquer ce qui serait la justice, c'est-à-dire à chacun selon ses résultats. Et la tradition précise même que la mesure de miséricorde qu'emploie Dieu est 500 fois plus abondante que la mesure de justice, ce qui a un écho avec l'échange avec le disciple du début. Combien de fois dois-je pardonner jusqu'à 7 fois, je ne te dis pas 7 fois, mais 77 fois 7 fois.
Une petite histoire accompagnait cet enseignement. C'est un peu toujours une variation autour du même thème, vous allez reconnaître. Lorsque Dieu envisagea de créer le premier homme, il a d'abord consulté ses collaborateurs, qui sont les anges, naturellement. Et il leur dit, j'ai décidé de créer l'homme. Alors les collaborateurs lui demandent, mais quelle sera sa nature? Et Dieu répondit, des justes en sortiront. Et il n'en dit pas plus. Parce que s'il leur avait dit également que des méchants aussi allaient en sortir, alors ils n'auraient pas été d'accord. Et il aurait dû, à ce moment-là, discuter avec ses anges. Cette histoire sous-entend que Dieu, tout se passe comme si, nous sommes dans les images bien entendu, tout se passe comme si Dieu connaissait à l'avance les inconvénients de sa créature et donc qu'il avait déjà prévu un pardon sur tout ce qui potentiellement pouvait mal tourner avec l'être humain. Quelque chose de l'ordre du pardon est déjà dans le projet initial. Et à partir de là, évidemment, Jésus révèle la puissance de ce pardon qui nous précède et qui n'est pas autre chose que la puissance même de la création. Ça va ensemble, c'est étroitement lié. Évidemment, je ne veux pas dissimuler les objections que soulève ce message évangélique. On pourrait se demander s'il n'existe pas des choses impardonnables, des choses imprescriptibles. Est-ce que ça n'est pas là invité à une forme d'irresponsabilité finalement? Tout est permis puisque tout est pardonné d'avance. Donc on peut y aller. Est-ce que cela ne finirait pas par brouiller la distinction entre le bien et le mal? Vous voyez, ce ne sont pas des petites questions. Et d'ailleurs, je me souviens très bien en Inde lors d'une grande discussion à l'université Vivekananda de New Delhi, au département des études bouddhistes, où on m'avait prié de prendre la parole, j'avais expliqué justement l'évangile pour les chrétiens et cette notion de pardon. Et la réaction de mes interlocuteurs a été unanime, ça a été de me dire, mais au fond, vous prêchez une religion au rabais. Vous prêchez une religion dépourvue d'existence. Si plus personne n'est puni, c'est la faillite. C'est pourquoi nous avons à méditer la suite de la parabole, la deuxième partie. À peine notre haut fonctionnaire est-il amnistié, qu'il s'en va trouver un compagnon qui, lui doit une petite somme. 100 deniers, c'est très modeste. Et il exige d'être payé. De nouveau, l'emprunteur supplie. Sois généreux. Je ne les ai pas, mais je vais te rendre cet argent. Or, sourd à son appel, le haut fonctionnaire le fait emprisonner. Il se comporte donc, pourrait-on dire, comme un gracier ingrat. Évidemment, devant cette énorme inconséquence, le roi annule l'amnistie du fonctionnaire et le livre au bourreau. Vous constatez que Jésus n'a pas perdu la mesure de justice. Seulement, elle apparaît en deuxième, pas en premier. Elle réapparaît à la fin de mon histoire. Le pardon est donné, oui, mais il y a une condition impérative, que celui qui a été pardonné se montre capable de pardonner à son tour. Le fonctionnaire, il n'a pas saisi que le pardon qui lui était accordé, ça le liait dans son existence la plus concrète et que ça devait désormais inspirer son comportement vis-à-vis des autres. Il devait avoir pitié de son compagnon de la même manière que le roi avait eu pitié de lui.
C'est lui-même qui, par sa propre inconséquence, s'est remis sous le coup de la stricte justice. Vous voyez, le pardon de Dieu, ça ne signifie pas une absolution facile. La bonne nouvelle de la cessation des comptes, ça n'est pas une permission donnée à l'irresponsabilité générale. Ce dont nous parlons, si vous voulez, ça ne fonctionne pas comme ce western spaghetti, au demeurant très drôle, intitulé « Dieu pardonne, moi pas ». Il nous est fait au contraire une obligation, celle d'être capable de pardonner à notre tour lorsque l'occasion se présentera, et l'occasion se présente fatalement, toujours. Jésus va même jusqu'à dire que le pardon de Dieu dépend de notre propre capacité à pardonner. Et du reste, c'est quand même ce que nous prions dans le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il y a donc là un jeu de cause à conséquence. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'en me pardonnant, Dieu me transmet une parcelle de son pouvoir. Dans l'expérience du pardon, je reçois quelque chose de sa manière d'agir dans ce monde, qui n'est autre que la puissance de son amour. Cet amour qui seul est capable de réorienter l'histoire des hommes. Et vous mesurez alors à quel point notre monde, lorsqu'on voit son triste état et toutes les interrogations que nous pouvons nourrir sur son futur à moyen et à long terme, combien notre monde a besoin de ce pardon et a besoin, non pas de manière abstraite, mais dans ses comportements, y compris dans ses comportements politiques, y compris dans ses comportements collectifs, y compris dans nos manières d'envisager notre vie commune, de réintroduire un peu de ça. Soyez les imitateurs de Dieu, c'est ce que recommande l'Épître aux Éphésiens. Imitiez Dieu, eh bien imitez Dieu, je peux le faire justement quand je pardonne. Parce que quand je pardonne, je crée quelque chose de nouveau. Le pardon a un pouvoir créateur. Un pouvoir m'est donné sur ma propre histoire et sur l'histoire des autres. Parce que quand je pardonne à celui qui m'a offensé, je me libère de quelque chose et je libère l'autre aussi de quelque chose. Et alors mon histoire et son histoire seront différentes et notre histoire sera différente. C'est un peu comme une mort et une résurrection. J'empêche le passé de peser sur le présent et je permets à un jour nouveau d'apparaître. C'est ainsi que j'imite Dieu. Dans l'Ancien Testament, cette imitation de Dieu, elle porte un nom, on appelle ça en hébreu la tikkun, la réparation. Il y a chez l'être humain cette vertu d'être capable de réparer. Il n'en fait pas aussi souvent usage qu'il le devrait, mais pourtant il y a cela. Eh bien, cette réparation, pour les chrétiens, elle se fait par le pardon. C'est la même chose. On est dans le même ordre d'idées. Dieu nous confie une part de lui-même, et c'est de cette façon que nous nous retrouvons ouvriers avec lui, et qu'il compte sur nous pour faire de ce monde un endroit un peu plus vivable. Alors au seuil de l'année nouvelle, eh bien, efforçons-nous à notre tour de ne pas nous comporter comme des graciers ingrats. Amen. Thank you.
Il est juste et bon de bénir et de louer Dieu notre Père, qui après nous avoir rassemblés autour de la parole, nous rassemble autour de cette table et du pain et du vin. Nous le bénissons pour celui qui incarne sa parole créatrice, Jésus-Christ, notre Maître et Sauveur. Il nous appelle du néant à l'être. Il nous conduit de l'esclavage à la liberté. Il nous fait passer de la mort à la vie. Et je vous invite à chanter au numéro 224 pour entrer dans ce moment de la communion. 224. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna aux disciples et dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous. » Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle, répandu pour vous en pardon des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Et nous prions. Nous nous tenons en ta présence avec ce pain et ce vin. Envoie ton Saint-Esprit sur nous, rassemblés pour ce repas. Que ce pain et cette coupe soit pour nous la communion à la vie du Christ qui ne passe pas, qu'en les recevant, nous ayons part à toutes tes bénédictions. Dieu, Créateur de toutes choses, source de toute richesse, nous t'offrons nos personnes et nos biens. Accepte-les. Dès le matin, illumine-nous des rayons du Christ, soleil levant. Détruis en nous tout sentiment mauvais. Veille sur nos pensées, nos paroles et nos actions, afin qu'aujourd'hui rien ne te déplaise en nous.
Nous te prions pour tous ceux que nous rencontrons aujourd'hui, que ta bénédiction vienne sur eux et leur famille. Que nos lèvres, notre âme et toute notre vie proclament ta louange, Seigneur. Et puisse tout notre être être un don de ta grâce, fais que de notre existence te soit consacrée. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Bénissons le Seigneur, rendons grâce à Dieu. Et d'une seule voix, nous faisons monter maintenant la prière que Jésus a enseignée aux disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Ce pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, son sang, c'est-à-dire sa vie même, sa vie qui ne passe pas. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et quiconque veut entrer, entre et nous serons ensemble autour de la table. Venez, car tout est prêt, je vous invite à communier en défilé, en commençant par cette travée, en tournant, vous connaissez le processus habituel, et en défilant devant la table. Pour terminer notre culte, je vous invite à chanter. Pendant le chant, c'est votre offrande qui sera recueillie d'avance. Soyez remerciés de votre don qui permet à cette paroisse de poursuivre son projet et de croître, puisque notre projet, c'est de grandir, c'est de croître le plus possible. Et deux annonces avant que nous ne chantions. D'abord, évidemment, après la bénédiction, il y a en quelque sorte la deuxième partie ou la partie conclusive, plus conviviale, autour d'un café pour celles et ceux qui le souhaitent et qui souhaitent prolonger un peu. Et puis, on m'a demandé de vous avertir que les concerts des Eaux Vives, au Temple des Eaux Vives, les dimanches de février à 17h pour la saison 2024 sont annoncés. Il y a des dépliants pour les amateurs annonçant cette série d'événements. Et je vous invite à présent à chanter au numéro 354. Je t'aime.
recevez la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il veille sur vos pensées et vos actions. Dans la grâce de Jésus-Christ, allez en paix. Amen.